Bon, l'audience est ouverte, asseyez-vous. Comme il a été décidé depuis quelque temps déjà, l'audience se terminera nécessairement à 20h, puisqu'on considère que les audiences de nuit ne sont pas dignes de la justice française. Donc à 20h, ça sera terminé. Donc vous vous débrouillez pour rentrer dans le créneau, sinon on sera obligé de renvoyer les affaires. Voilà. Bon, alors on n'a pas de détenu aujourd'hui. Si vous voulez bien commencer par le numéro 8, on va faire un petit tourneur parce qu'il y a des présents. D'accord. Alors, le dossier concerne Monsieur Bruno Lafoy et la société Arendt Salé. Vous approchez de la barre, monsieur. Alors, on va essayer de se rappeler ce qui se passait le 21 février 2007 et le 25 août 2007. Pour cela, nous disposons de deux procès-verbaux des affaires maritimes. Premier procès-verbal, 21 février 2007, où on nous explique que le patrouilleur Iris, qui est le patrouilleur des affaires maritimes, procède au contrôle du chalutier Aquitaine. Vous vous rappelez de ce chalutier, monsieur? Ah oui, oui, oui. Dont vous étiez le commandant. Donc, contrôle. Peut-être, vous nous expliquerez. Alors, lors du contrôle, lecture du journal de bord. Les agents des affaires maritimes constatent qu'il n'est pas correctement rempli et qu'il y est mentionné une espèce dont la pêche est interdite dans la zone où le chalutier a pêché. Alors, la zone, c'est la zone des forcés. Des forts ? Oui, la zone des forts. Des forts ? Oui. Grand C. Grand C. Alors, vous devez mieux savoir que moi ce que ça veut dire, mais je vais essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est ? La mer est divisée en carré. Ah ben voilà, expliquez-moi. Alors, la mer est divisée en carré. En carré, il y a les zones des forts. Il y a la zone B, la zone C, la zone D. Bon. Et après, c'est encore sous-zone. Alors là, ce qui m'importe, c'est la zone C. Zone C, en virgule C-I-E-E-M 8, ouais, Siem, B, région 3. Siem, d'accord. Alors, heureusement qu'on n'a pas que ça dans le dossier pour essayer de comprendre. Alors, on nous explique que ce jour-là, pour la journée du 21 février, vous pêchez dans cette zone. Les quantités suivantes, 44 kg de cardine, 40 kg de grondin, 25 kg de baudroie. On sait également que l'arrêté du 30 janvier 2007 dit que le quota de baudroie attribué à la France est réputé épuisé pour l'année 2007. Donc la pêche à la baudroie était interdite dans cette partie Siem 8C. Ils ont conclu que le patron du navire de l'époque, c'est-à-dire vous, avait tenté de dissimuler la zone réelle des captures en mentionnant, ben, non pas cette zone où c'est interdit, mais la zone 8B. 8B, donc au lieu du 8C dans le journal de pêche. Audition de vous, monsieur, vous reconnaissez avoir pêché en cette zone ce jour-là, et donc vous vous trouvez en infraction pour information erronée, puisque vous avez... fait exprès, semble-t-il. Vous vous trompez sur la zone, après je vous donnerai la réponse après. Et pêche dans une zone de poissons que vous ne pouvez plus pêcher puisque le quota a été épuisé pour la France. Est-ce que j'ai tout compris ? Vous avez bien compris. J'ai bien compris. Alors pourquoi vous l'avez fait ? Alors, il faut que vous sachiez que j'ai un contrat de travail en Espagne. Ouais. Je suis embarqué comme patron français. Mais ce n'est pas moi qui dirige la pêche. Ce n'est pas moi qui commande le bateau. Ouais. On est juste là comme prête-nom. Vous êtes sur le bateau, quand même. Oui, ah bah oui, oui, j'étais à bord. Vous êtes le pêcheur. Oui, mais ce n'est pas moi qui décide de mettre en pêche à l'endroit où c'est le patron espagnol. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller à tel endroit. Oui, c'est le patron espagnol qui dirige le bateau. D'accord. Ils ont besoin d'un patron français pour justifier... Et qui fait l'inscription erronée? C'est à moi d'écrire, parce que ce n'est pas l'espagnol qui va écrire. Et là, vous faites une inscription erronée. J'ai fait une inscription erronée parce qu'on me la demande. Ouais, vous êtes complice quand même. Complice si vous voulez, oui. Dans l'infraction, elle existe. Dire que vous n'avez pas le choix, si vous voulez travailler. C'est ça, voilà. Donc, la lotte a été rejetée à l'eau. Hein. Ah bah oui, c'est la sanction. Voilà. C'est normal. Voilà ce qui se passe dans le 21 février. Donc vous me dites, je suis commandé par un espagnol, mais c'est l'armateur, qui me dit d'aller pêcher à tel endroit. Je sais que c'est interdit, j'ai pas le choix. Si, vous avez le choix d'essayer de trouver un patron, un armateur honnête. Ça existe ? Peut-être ? Je préfère pas répondre. Vous préférez pas répondre. Bon. Bon, il n'empêche que l'infraction est caractérisée, vous avez reconnu. Oui, oui. Bon, ça, c'était donc au mois de...
février. Le mois du 21 février. Alors après, on parle de 18 avril 2007, 19 avril 2007, 20 avril, 21, 22, 23, 24. Voilà. On doit être dans la même zone de soi-disant d'effort, CIEM 8C. Ce jour-là, même chose, pas de chance, patrouille Iris, le bateau des affaires maritimes qui vous contrôle, le patrouilleur. Alors, voilà ce qu'il constate. Alors, on sait que vous sortez en mer le 17 avril à 9h. Le 20 avril, vous êtes dans la zone 8B. Puis vous rentrez dans la zone de reconstitution du stock de merlu et de langoustine, zone 8C. Le 21-22, vous êtes toujours dans cette zone. Le 23, encore. Et vous en sortez le 24. Il y avait lieu, nous disent les gendarmes maritimes, de remplir une nouvelle ligne quand la pêche a lieu le même jour dans une nouvelle division CIEM. Du 20 au 23 avril, ce navire n'a pas enregistré ses passages dans la zone CIEM 8 sur une nouvelle ligne comme prévu par les règlements précités. Par ailleurs, ce navire ne figure pas sur la liste des navires détenteurs d'un permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du stock. Bon, parce que là, l'infraction est un peu différente. C'est quand on est dans une zone de reconstitution. Ça veut dire que le poisson, il ne faut pas trop pêcher là-dedans parce qu'il faut attendre qu'il se renouvelle, se reproduise. Il faut avoir un permis de pêche spécial, ce qui n'était pas votre cas. Un PPS. Ouais. Voilà, un PPS. La pêche, vous étiez donc interdite à cette époque-là dans la zone 8C. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec les constatations des gendarmes maritimes? Moi, je ne m'en rappelle plus. Vous savez, c'est en 2007. C'est pas, je ne veux pas contester, je ne suis pas là pour contester, mais je veux dire... Je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis comme patron français embarqué à bord. Je pense qu'on est à peu près dans le même cas de figure que tout à l'heure, sauf que là, ça dure sur plusieurs jours. Ouais, mais c'est pas moi qui suis en haut. C'est pas moi qui suis à la passerelle. C'est pas moi qui dirige. Moi, quand je monte, je monte en regardant le journal de logbook. Si on est en zone 8B, je marque que je suis en zone 8B. Si le patron espagnol il a travaillé pendant 18 heures dans la 8C, je sais pas. Moi, je suis en bas, je suis en train de travailler. Oui, mais quand on vous reproche d'avoir écrit une information erronée sur le journal de bord communautaire pour le 20 avril, 21 avril, etc., c'est-à-dire que vous ne notez pas que vous êtes dans la zone interdite pour éviter que ça se voit, c'est vous, ça? Ben non. Bah, qui c'est qui a... C'est moi qui était le responsable du journal de bord. C'est moi qui ai repris le logbook, mais je viens de vous expliquer, Madame la Présidente. Ouais. Je travaille sur le pont. Ouais. Le logbook, vous le remplissez une fois par jour. Et qui le remplit? Moi. Bon. Toutes les 24 heures. Ouais. Quand je monte à la passerelle, si on est passé en zone 8B, je ne sais pas si on était en zone 8C pendant 18 heures. J'étais en bas, en train de travailler. Alors comment il faut faire pour ne pas être en infraction? Il faut rester en haut. Ah ben voilà. Mais oui, mais moi j'avais pas le choix. Donc théoriquement, si vous voulez être dans la légalité, il fallait rester en haut et avoir quelqu'un en bas qui pêche. Non. Mais vous êtes en haut et vous notez effectivement ce que vous voyez. Voilà. Ce que vous faites. Et lorsque j'ai su... que j'étais appelé au tribunal ici, là. Ouais. J'y suis le 23 mai, je suis rentré le 25 mai, j'ai définitivement arrêté de travailler. Je suis débarqué du bateau. Vous avez dit, bon, stop, dit non, je ne veux plus continuer à travailler en infraction. Voilà. Maintenant... C'est grave, hein, monsieur Lafoy, vous dites, j'ai été obligé d'abandonner mon métier parce que j'en ai assez de répondre à des ordres... qui me mettent en infraction, c'est ça? C'est pas nouveau. Ça fait une quinzaine d'années que les franco-espagnols sont gérés comme ça. C'est pas... Si le quartier maritime de Bayonne est le plus grand quartier maritime français, il y a bien une raison. Donc, vous avez pris votre retraite? Oui. D'accord. Et la retraite de la pêche, ça permet de vivre? Oui. À peu près. D'accord. Vous avez retrouvé peut-être un autre emploi? Non. Bon, vous allez être un retraité heureux quand même. Si on veut, oui. Bon. Oui. Malheureux, allez. Non, je ne sais pas. D'accord. Vos enfants sont élevés, il n'y a pas de... Oui. Bon. Donc, ça fait une retraite de combien à peu près? 1841 euros par mois. Oui, ça permet de vivre, mais enfin, effectivement, c'est pas... Et combien vous gagnez quand vous êtes patron pêcheur? Combien ça gagne un patron pêcheur? Ça peut gagner beaucoup plus que ça et beaucoup moins que ça. C'est variable. Parce que nous sommes rémunérés à la part. Donc c'est ça dépend ce que vous pêchez, c'est ça? Voilà. Vous pouvez partir en mer, revenir... Bredouille. Et l'armateur est en droit de vous dire, voilà, les frais sont tant, tu me dois 63 euros. Tu as travaillé 15 jours, mais tu me dois de l'argent.
Ça existe encore. Ça existe, mais c'est rare quand même. Non, c'est rare, mais ça existe encore en 2010. D'accord. Voilà. Mais la plupart du temps, il vous dit pas ça, sinon vous continuez non, pas. Non, le mec, bon. Il le fait pas, de toute façon. Bon. La plupart du temps, vous gagnez bien votre vie, alors. Un patron pêcheur gagne bien sa vie. Oui, normalement. C'est-à-dire, c'est de quel ordre Ça varie entre 2 et 5 000 euros, on va dire. D'accord. Suivant la vente du poisson, suivant la pêche. Non, c'est un métier, quand on l'aime, c'est un métier intéressant, quoi. Oui. D'accord. Mais parmi, d'après le... Comment ça s'appelle je cherche mes mots. C'est le métier le plus dangereux au monde. Ah oui, bien sûr. Les pompiers sont bien arrière. Mmh. Les gendarmes. C'est dangereux, aussi. Mais c'est un métier qu'on aime, quoi. Ouais, je crois qu'il faut avoir été piqué avec une aiguille à haut de mer. Il faut avoir été piqué par l'aiguille de la pêche. Ouais. D'accord. Plus sérieusement, monsieur Lafoy, oui. Vous êtes quand même, vous arrivez à comprendre qu'il y a des espèces protégées, oui. Qu'il y a des espèces épuisées, qu'il ne faut donc pas faire n'importe quoi à la pêche. Mais vous l'avez dit très justement tout à l'heure, j'étais patron armateur pendant 26 ans. J'ai commandé depuis 35 ans. J'ai jamais été condamné lorsque j'ai travaillé, moi. D'accord. Là, j'ai prêté mon brevet. Ah oui, les patrons français qui sont embarqués sur les franco-espagnols prêtent leur brevet, parce qu'autrement, les bateaux franco-espagnols ne pourraient pas travailler. Il n'aurait pas le droit au quota. C'est pour ça que le patron français, il est qu'un pion. Il est qu'une marionnette. Bon, j'arrivais en fin de carrière, j'avais plus de travail, j'ai trouvé ça, j'y suis allé. Mais bon, quand j'ai vu la tournure des événements, j'ai dit stop, point barre. Maintenant, je sais que c'est moi le responsable. Je sais. Bon, je vous avez quitté le métier. Ne découragez pas les plus jeunes. Non, merci. Quel âge vous avez? Il est né en 54, monsieur. J'ai 56 ans, bientôt 57. C'est trop tôt pour être à la retraite, par les temps qui courent. Sauf pour les marins. Ah bon, d'accord. Ah, quand même, les marins, Dieu merci, il y a un peu une exception. D'accord. Je t'ai mérité. Ça fait 3 fois que je viens. La première fois, vous m'avez convoqué au mois de juin. Ouais. Vous n'aviez pas le dossier. La deuxième fois, il y a eu cette fameuse grève. Voilà. Aujourd'hui, j'arrive de La Rochelle, hein, ça fait 3 fois. Mais bon, mais c'est gentil de venir nous voir régulièrement. Non, mais vous savez combien... En moyenne, combien travaille un marin par jour? En moyenne. Oui, mais c'est 20 heures. Mais il ne travaille pas tous les jours. Si, c'est 20 heures. 20 heures, 24 heures sur 24. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours de pêche? Mais vous partez 15 jours en mer, vous êtes 3 jours à terre. Ah ben vous voyez qu'il y a des jours à terre quand même. Oui, mais pendant les 3 jours, il faut venir travailler à bord. D'accord, bien écoutez, merci monsieur Lafoy. De toute façon, on n'avait pas l'intention de partir à la pêche tout de suite. Restez monsieur pas loin quand même, parce que... Monsieur Lafoy, oui, allez, restez pas loin pour pouvoir écouter les réquisitions de madame le procureur. Alors, on a donc le 21 février 2007, dans la fameuse division CIEM-8C, dont je découvre l'existence en préparant le dossier, cette fameuse division CIEM-8C interdisait la pêche à la Baudroie, à l'époque, donc en février 2007, où M. Lafoy et son bateau ont été contrôlés. Donc M. Lafoy ne conteste pas cette infraction. Il a pêché 25 kg de baudroie dans une zone CIEM-8C où il n'avait pas à pêcher ses 25 kg de baudroie. L'infraction me paraît caractérisée très largement et même reconnue par le mise en cause. Concernant les faits, donc, cette fois-ci, d'avril 2007. Donc, la pêche maritime d'une espèce dans une zone où sa pêche est interdite. C'est à nouveau, mais donc pas la même date, la pêche à la Baudroie, toujours cette division CIEM-8C, où la gendarmerie maritime nous indique, et chauffeur de ma part, M. Lafoy, ne conteste pas, sur ce qui a été dit précédemment, que le quota de Baudroie était épuisé depuis, pour l'année 2007, à la date du contrôle, et que monsieur avait pêché, et son bateau, hein, 1120 kg de Baudroie. L'infraction me paraît caractérisée, et pour M. Lafoy d'ailleurs, et pour l'entreprise qui elle aussi visait à la prévention. Donc vous entrerez en voie de condamnation et pour l'un et pour l'autre, pas de la même manière, dans la mesure où l'armateur a une part de responsabilité nécessairement plus importante, dans la mesure où c'est lui le donneur d'ordre et que c'est donc à lui que revient la responsabilité principale, même si elle n'est pas exclusive de la responsabilité de M. Lafoy en l'occurrence, la responsabilité principale de l'infraction qui est commise. Considérant aussi que M. Lafoy a un casier judiciaire qui ne porte mention d'aucune condamnation, alors que nous dit-il, ça fait 35 ans qu'il exerce cette profession à des fonctions diverses, il me semble qu'une amende avec sursis me paraît le plus adapté pour M. Lafoy et c'est la raison pour laquelle je vous demande de le condamner pour les délits visés à la prévention, à la peine de 3 000 euros d'amende avec sursis. Il en va différemment donc pour la société poursuivie. Je vous demande de la condamner à 10 000 euros d'amende.
Merci. Maître Tournaire, donc. Madame le Président, mesdames, monsieur du tribunal, il est vrai que au mois d'avril, il a ce panier. Il a pêché, si je puis dire, dans tous les sens du terme, dans la zone interdite. Il y avait 25 kilos de baudroie en trop. 25 kilos. Et il fallait les jeter à la mer. Mais on les a jetés à la mer. Que le tribunal sache que quand on mouille un filet qui traîne derrière, on ne voit pas ce qui rentre dans le filet. Alors on le lève. Et c'est quand on l'a levé qu'on s'aperçoit, oresco référence, qu'il y a de la baudroie. Et il y avait trop de baudroie. Ils avaient droit à 100 kilos. Et il y avait 125. Eh bien, ils n'ont pas jeté tout de suite les 25 kilos. Et ils ont attendu que l'iris arrive et leur dit « jetez à la mer ». Évidemment, ils ont jeté 25 kilos à la mer. C'est dommage. Parce que la baudroie, c'est bien bon. Et il y en a qui auraient bien aimé la manger. Enfin, cela dit, quand on a pêché de la baudroie et qu'on ne l'a pas jetée, on est coupable. Bon. Alors, il est coupable pour 25 kilos. Il a pas nié. Il a reconnu. Coupable dans la mesure où, juridiquement, il a, c'est vrai, la responsabilité du navire. Dans le droit français, qui résiste au maximum à l'Europe encore, sur tous les navires européen, un capitaine européen de n'importe quelle nationalité, c'est possible, c'est même obligatoire. En France, il y a une exception, pour combien de temps encore, il faut que le capitaine soit français. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Dans les armements qu'on appelle franco-espagnols, eh bien, le capitaine est français et tout l'équipage est espagnol. Et le patron de pêche, parce qu'il y a un capitaine, et le patron de pêche, c'est lui qui fait la pêche, et lui, il est espagnol. Et le capitaine français, ben, c'est lui qui signe les registres. Donc, il a signé, et le parquet a demandé une amende avec sursis. Il n'est pas accablé. Le parquet, habituellement, est plus sévère. Eh bien, là, s'il n'a pas été sévère, c'est que le parquet a considéré aussi que c'est un homme estimable, qui comparait. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie, et qui a pris sa retraite à 55 ans. C'est pas un cadeau, parce qu'à 55 ans, on est usé. Quand on a passé ces journées en mer, aujourd'hui, il ne fait pas chaud, hein. Il n'y a pas de vent. Mais ils sont quand même en mer. Et c'est quand même pas facile. Et c'est dangereux. Alors, ces gens-là sont des gens estimables. Sont des gens, d'ailleurs, je pense que dans notre histoire littéraire, on a entendu parler d'eux. Vous connaissez tous l'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer, n'est-ce pas ? Baudelaire. Merci beaucoup de nous aérer un petit peu. Bon, le tribunal se retire pour délibérer. Dans l'audience suspendue, le tribunal va délibérer. Bon, voilà, l'audience est reprise. Le tribunal rend ses décisions. Alors, en ce qui concerne Monsieur Lafoy, il est resté Monsieur Lafoy. Monsieur Lafoy, la société Rente Salée. Alors, le tribunal... Approchez, hein, monsieur. Ouais, voici le jugement. Monsieur Lafoy, vous êtes déclaré coupable et condamné à une amende de 3 000 € avec sursis. Donc, on n'en parle plus. Vous avez changé de vie en plus, donc... On ne parlera plus de pêche ensemble. Très voilà, bien. Vous pouvez partir, monsieur. Merci bien. Contradictoire a signifié pour la société Rente Salée, coupable, une amende de 10 000 €. Qui n'est pas là, donc. Voilà.